Salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce réupload de Draw Trollman Draw Show spécial de 2015. Donc je vous laisse en compagnie de la musique et de la timelapse et je vous retrouve pour la fin de la vidéo pour les quelques descriptions. Voici, nous voilà arrivés à la fin donc de ce réupload du Draw Trollman Draw Show spécial de 2015. Alors pour ce dessin, va y avoir quelques explications à donner. Donc c'est des dessins sur les hipsters fascistes. Donc c'est un truc pour rigoler, encore pour rigoler, c'est sur la suite de l'épisode précédent pour Pushinia. Parce que voilà, c'était un terme que je ne sais plus qui avait lancé. Le terme hipster. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le terme hipster, pardon, j'arrive même pas à le dire moi-même, c'est un terme qui vient des années 40 en fait, qui est réutilisé maintenant pour autre chose, mais qui vient des années 40, qui voulait dire les personnes qui allaient dans les bars afro-américains pour écouter du jazz, les blancs qui allaient dans les bars afro-américains pour aller écouter du jazz et pour être au milieu des personnes de couleur de peau noire, bien sûr. C'était ça qu'on appelait les hipsters dans les années 40. Maintenant, ce qu'on appelle les hipsters, c'est les gens qui sont, surtout depuis les années 2010, c'est les gens qui se veulent anticonformistes, qui s'habillent pas, qui s'habillent autrement, qui ont des styles vestimentaires autres. C'est pas des marginaux, mais voilà, ils sont avec, ils sont entre les deux, on va dire, entre marginaux et ceux qui se conforment à la société. Donc voilà, ils sont entre les deux. Donc là, pour rigoler, j'avais lancé un terme, les hipsters fascistes. Donc c'est les hipsters qui se disent fascistes et qui se mettent, comment dire. Eh bien, qui sont pas vraiment conformistes aux fascistes, mais qui, voilà, ils sont fascistes, mais ils sont des conformistes du fascisme qu'on connaît, en fait. Voilà, c'est ça qui est assez rigolo. Voilà, j'ai voulu jouer là-dessus, sur ce terme-là, donc ça peut paraître, ça peut prêter à confusion, mais c'est des termes qui ne, en fait, qui sont opposés. Je ne sais plus le terme en français quand c'est deux opposés qu'on met ensemble, mais voilà, parce que hipster, anticonformiste, et voilà. Donc voilà, à ce niveau de ces explications. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce réupload du Draw Trollman Draw Show spécial de 2015.
Je vous donne rendez-vous eh bien, à une prochaine vidéo ou à un prochain épisode. Allez, salut à tous!